Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intérieure puissante pour libérer votre chemin de vie, car le 21 avril est une journée dédiée aux soins énergétiques. Cette guidance est tout à fait particulière et vous aidera à libérer quelques blocages, je l'espère. Pour des soins et nettoyages plus en profondeur, je reste naturellement à votre disposition et vous trouverez tous les détails sur mon site internet qui se trouve en bas de la vidéo. Merci aussi beaucoup de vous abonner à ma chaîne pour obtenir d'excellentes énergies, participer au concours hebdomadaire pour gagner soit un soin énergétique ou un de mes livres. Je précise également que dans les liens sous la vidéo, vous trouverez un site internet qui propose des pierres semi-précieuses programmées tout particulièrement pour chaque personne qui en acquiert une. Vous vivrez ainsi des moments intenses aussi bien au niveau vibratoire, énergétique que spirituel. Ces pierres de cohérence harmonisent les énergies dans le corps et vous donneront des ailes à découvrir si vous voulez réellement avancer. Et sans plus tarder, nous passons à la guidance spirituelle maintenant, une guidance intérieure. Et je vous recommande vivement de rester jusqu'au bout de cette guidance. Placez-vous confortablement, soit couché ou soit assis, et vous pouvez même fermer les yeux si le cœur vous en dit. Chemin de vie et guidance par les vibrations universelles, christiques et cosmiques. Nous sommes divinement guidés de toutes les façons. Nous faisons confiance à notre soi supérieur. Nous écoutons avec amour notre voix intérieure. La guidance divine est un message d'amour et de bienveillance qui résonne au fond de notre âme. Nous sommes guidés par l'esprit dans tout ce que nous pensons, disons, faisons. Nous sommes divinement guidés et inspirés. Nous sommes maintenant guidés par tout ce qui est pour notre plus grand bien. Nous ouvrons les yeux spirituels pour découvrir tout ce que le divin nous montre. Nous ouvrons les oreilles spirituelles pour entendre tout ce que Dieu nous dit. Le divin nous murmure tendrement des idées divines. La lumière rayonnante divine illumine nos esprits et nous dirige dans tout ce que nous faisons. La voie est maintenant préparée. Nous prenons le bon virage sur notre chemin. Car à chaque instant, nous sommes avec l'énergie divine et christique, ainsi soit-il. Nous connaissons la vérité et la vérité nous libère. La compréhension divine est la lumière qui nous guide. Percevons la vérité intérieure. Dans toutes les situations et circonstances, maintenant, nous sommes confiants et conscients grâce à la présence de la lumière christique. La vérité nous atteint et nous parle. Nos pensées et paroles positives affirment la vie ici et maintenant. Nous pensons et exprimons uniquement la vérité divine.
de façon constante et persévérante, au quotidien, nous sommes la lumière christique et le divin s'exprime en nous, apportant l'amour, la vie, la paix et l'enthousiasme parfait. Notre capacité de résilience est désormais intense. Merci Dieu, ainsi soit-il. Ainsi le divin est notre source et l'expression créative d'une force illimitée. Nous sommes le pouvoir créatif dans ce monde et nous sommes créativité infinie. Tout vibre, s'harmonise et s'exprime à travers nous, plus que jamais auparavant. Nous maîtrisons notre esprit et notre vie, nous sommes réellement des êtres de lumière et de vérité et d'amour divin. Nous jouissons d'un libre arbitre, nous prenons notre indépendance, nos choix sont dictés par notre essence divine uniquement. Nous nous libérons, relâchons et dissolvons tout ce qui ne correspond pas ou plus et vivons maintenant exactement comme notre être divin le souhaite, d'une manière unique et originelle. Nous sommes parfaits, comblés et entiers. Merci aux êtres de lumière, au divin, ainsi soit-il. Personne ne peut nous forcer, nous manipuler, ni nous dominer. Nous n'acceptons plus les fausses idées, croyances ou situations qui nous sont imposées. Nous sommes libérés des fausses croyances sociétales et nous prenons les décisions en nous basant sur notre guidance divine intérieure. Nous appartenons uniquement à notre soi supérieur et divin. Merci Dieu, ainsi soit-il.